Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être, je te l'annonce, déjà extrêmement longue. Très très longue. Je ne sais pas du tout ce qui m'attend pour te la faire très très rapidement parce qu'on va pas commencer à partir le temps. Et voilà, avec Aurélien donc de l'Instagram Decorating with Aurélien. Je te mettrai de toute façon son Instagram dans la barre de description de cette vidéo. Nous avions déjà fait un swap en début d'année, début janvier il me semble, et on avait décidé de s'en refaire un. Bon, comme tu as pu le voir dans la première vidéo peut-être, je te remettrai dans le « i » juste là, il s'emballe. Regarde donc, tout de suite, juste avant de commencer, regarde. Bon bah, c'est-à-dire que nous avons deux énormes cartons, poids total de l'histoire, 18 kilos. Voilà, donc comme tu as pu le voir, je pensais filmer ici, mais en fait, j'ai pas assez de recul, pas assez de... Donc, je change mon setup, on se retrouve dans le salon, et prends-toi quelque chose à boire, prépare-toi, tout ça. Et moi, je suis trop impatient de découvrir ce que cachent ces cartons, parce que je les ai reçus jeudi. Là, actuellement, on est lundi. Ouais, d'habitude, je filme le mardi, mais en fait, je pouvais plus attendre. Ok, déjà 2 minutes d'introduction, c'est beaucoup trop. Je te dis à tout de suite dans le salon pour la découverte de ce swap. Voilà, donc on est dans le salon, excuse-le, voilà, c'est pas très... On s'en fiche. On y va, j'ai pris mon couteau. Avant tout ça, j'aimerais remercier encore une fois Aurélien, qui est une personne que j'adore. Je t'invite vraiment à le suivre sur son contenu Instagram. Beaucoup de déco, de la déco thématisée en fonction des saisons et des événements, etc. Et encore une fois, merci. Comme tu as pu le voir, j'essaie d'aller vite. Il y a 2 cartons, je me suis muni d'un couteau pour ouvrir tout ça. Je vais rester debout, hein, c'est plus... dynamique. T'as un peu loin là peut-être, non? Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Je sais pas, tu vois pas ma tête en entier. Voilà, comme ça. La lumière est bien, on sait pas trop, on rapproche. Je te dis, ça va être long, ça va être très long, donc ça va être... Alors, je tiens déjà à dire que c'est très bien scotché. Je crois que Aurélien et Alex Dante prennent des cours du soir ensemble niveau scotchage. Voilà, premier carton ouvert. Je vais essayer de te montrer. Donc c'est très très bien emballé. Il y a du papier bulle, il est hyper rempli. Nous avons une... J'ai une petite carte. Good things take time. Oui, effectivement, les bonnes choses prennent du temps. D'ailleurs, ça prend du temps. Je n'ai pas encore, le pauvre, envoyé mon swap. Mais il part demain. Donc normalement, au moment où je publierai cette vidéo, il aura déjà reçu. Peut-être pas ouvert encore, mais déjà reçu. Une très jolie carte. Oh, on adore thinking of you. Moi aussi, je pense à toi. Est-ce que... Ouh. Oh là 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 là. Là 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 là. Je le lis et on verra si je fais en accéléré ou pas. Hein? Voilà, on va faire comme ça. Déjà d'un prochain soir, j'ai pas encore digéré celui-là. Aïe. Il imagine déjà le bazar chez moi pour lequel il plaide coupable. Oui, effectivement. Oh, c'est très personnel, donc je ne te dirai pas, toi, petit curieux, qu'est-ce qui se passe. Ma voix a déraillé. Si je commence à parler, on va en avoir pour 18 millions d'années de vidéos. Mais merci beaucoup pour tout ce qu'il y a à l'intérieur, de tous ces mots à l'intérieur. Et tu sais, voilà, tu sais. Ah ouais, ça commence bien. Ça commence très très bien. Bon. Aïe. J'aurais dû prendre un sac poubelle, peut-être. Peut-être. Ok, je vais chercher un sac poubelle. Les paquets sont magnifiques, je vais chercher un sac poubelle. Ok, là on n'est pas bien. À peu près 20 minutes se sont passées. Aurélien, je t'aurais au téléphone mon message avant, mais tu es complètement fou. C'est indécent, je suis déjà pas très à l'aise, mais là je suis très mal à l'aise. Bref, il y a beaucoup de cadeaux, il y en a 39. On va commencer par le 1, je pense. J'ai 2 1. Alors on va voir,
Je suis pas bien là, vraiment, je fais style, nanana, mais je suis archi pas bien. Je pense que cette vidéo va approximativement durer 3 heures. Alors, l'indice. Qui dit quoi? Le petit rencard des bois ne dit pas n'importe quoi. Le petit renard. Rencard, ça commence bien. Qui dit oui? Qui dit quoi? Le petit renard des bois ne dit pas n'importe quoi. Ah! Comment ça, je sais pas. Peut-être un jeu de société en bois? Peut-être? Je sais pas. Je suis choqué là, les gars. Je suis choqué. Alors, voyons voir. Oh! Ce sont des cartes. Un oracle, peut-être? Le chemin du Bunyo. Non, mais alors, ça commence hyper bien. Enfin, ça commence. Déjà, c'est beaucoup, beaucoup trop en soi. Ce renard légendaire te montrera le chemin à suivre. C'est ça, c'est des cartes illustrées en fin de compte pour. Mais déjà, j'adore. Donc, c'est super joli. C'est. Je te montrerai plus. Peut-être tu vois pas grand chose avec la ring light, mais je peux pas l'enlever parce qu'il fait très sombre. Mais ce sont des cartes en fin de compte, effectivement, comme un oracle en fait. J'aime beaucoup. Je vais très très rapidement les ouvrir. Et m'en inspirer. J'ai plus mes mots. Tu sens déjà l'émotion? Non mais arrête là. C'est des. Merci. Non mais si on commence déjà comme ça, ça va pas être possible. Le numéro deuxième 1 parce qu'il y a deux 1. Consommons bien, consommons mieux et de saison, le tout avec raison et sans se tromper. Évidemment, je vais garder hein, tout ça comme d'habitude. Je pense que c'est un calendrier. Peut-être un calendrier des fruits et des légumes de saison. Je dirais ça, calendrier des fruits et légumes de saison. Et si c'est le cas, c'est trop bien parce qu'à chaque fois, je cherche des feuilles et je les imprime. Je vais rester là-dessus sur un calendrier des fruits et légumes de saison. Je pense que c'est ça. Ouh, écoute. Fruits et légumes de saison, c'est tout à fait ça. Et c'est un calendrier donc fait par une illustratrice qui s'appelle Lixi Illustration, je pense. C'est marqué dessus en tout cas. J'essaye de te montrer rapidement l'ouvrage. Désolé ceux qui n'aiment pas les bruits à ASMR, hein. Mais là, je suis pas bien, il y a beaucoup trop de choses. Voilà. Je mérite absolument pas tout ça et j'ai honte par rapport au mien qui est loin. Bref, merci pour la malaisitude, c'est très très gentil. Évidemment, ça me touche beaucoup trop. Hein. Fruits et légumes de saison, ça ira dans... Oh, j'adore! Ah non, c'est vraiment trop mignon! Donc avec des petits animaux, donc des chats, des oiseaux, et puis tous les mois, donc sur une feuille, avec des petites astuces culinaires, et effectivement les fruits et les légumes. Mais c'est trop bien, et bah écoute, merci beaucoup, ça va, je m'en servirai, sois-en sûr, vraiment top, merci beaucoup. Ensuite, le numéro 2, la forme d'un carnet, Believe in your future. Believe in your future. Un carnet genre de but et d'objectif, je sais pas. Ouais, en tout cas, à mon avis, c'est un carnet de vie. Balance. Oh! C'est un carnet de méditation. Mais écoute, c'est. Alors, pour être très sincère, j'ai jamais médité. Je pense qu'il faut certainement, sûrement, que je m'y penche. Mais c'est un carnet de méditation, a priori, que tu as trouvé chez Emma. On adore. Et effectivement, tu notes, en fin de compte, les jours où tu médites et les types de méditation que tu fais à l'intérieur. Hyper sympa comme idée. Voilà, maintenant, il faut que je m'arrête à la méditation. Merci infiniment. Alors, je ne sais plus où j'ai mis le numéro 3. Donc, ça commence bien. En attendant, donc, le 4, il y a même les boîtes, quoi. C'est beaucoup trop. Ça va pas du tout. Le numéro 4, l'indice... Essayer, c'est les adopter. Tu vas vite nous supporter. Enfin, tu verras. Main-usage ? Multi-usage. Essayer, c'est les adopter. Tu vas vite nous supporter. Enfin, tu verras. Des chiffons ? Des genres microfibres ou quoi que ce soit ? Ah, c'est ce serait une graine. Donc, emballé comme ceci. Qu'est-ce que ça peut être, les amis ? Ce sont des bougeoirs, me semble-t-il.
Suspense, oui, ça a l'air d'être des bougeoirs, tu vois, comme ceci. Donc, il y en a deux. Donc, deux très jolis bougeoirs en céramique. Et il y a autre chose au fond. Est-ce que ça va éclairer ma lanterne, justement? Ah, mais c'est hyper... Mais ouais, mais c'est trop bien. En fait, ce sont des petits palets de cire. Tu vois, des petits palets de cire comme ça pour mettre effectivement au fond pour que les bougies tiennent. Donc, bah franchement, top, très très bonne idée. Et puis, bah, les bougies, hein, tu sais très bien que tu me connais un peu, si tu suis un peu mes aventures sur cette chaîne, les bougies, c'est la vie. Je suis désolé, je regarde devant parce que c'est un peu tout mélangé, ça me stresse un peu. Et il me faut un appartement plus grand, déjà, en fait, voilà. On passe au 5, qui, quant à lui, est aussi un très très gros paquet. Donc, 5... Pour un usage fonctionnel ou détourné en rapport direct avec le printemps, nous sommes passés par les mains de ta Sista et nous voilà. Donc ma Sista, c'est Aurélien, évidemment. Et nous voilà jusqu'à toi pour célébrer cette magnifique saison dont l'amour ne cesse de croître. Alors du coup, vu qu'il dit que c'est passé par ses mains, est-ce que c'est un de ses DIY? Je pense que peut-être c'est un de tes DIY. Si c'est ça, ça me touche encore... Est-ce qu'on peut être plus touché que ça? Je sais pas. Oh, c'est trop mignon. Attends, je te montre tout de suite. C'est effectivement... Ok, je comprends. Ouais, donc le croître, etc. C'est des petits... Oh, c'est trop chou. Voilà, des petits pots, effectivement. Donc, t'en as un vert, un blanc et un doré. Trop sympa. Et j'imagine que c'est lui, donc, qui les a repeints. Qui les a bombés, etc. C'est trop cool. Merci beaucoup. Ils sont trop mignons. J'ai mes petites idées déjà. J'ai mes petites idées. Ensuite, le 6, j'imagine que c'est un 6. Normalement, c'est un 6. Alors, voyons voir. Tous les plaisirs sont dans ma nature ancestrale. Tous les plaisirs sont dans ma nature ancestrale. Alors, le bruit me fait penser à du thé, le packaging, pas du tout. Et si. Oh, mais dis donc. C'est un coffret dégustation. Donc, box dégustation de thé vert bio aux 3 agrumes, thé vert bio détox, thé vert bio citron et gingembre. Ah, voilà. Thé vert bio baie sauvage et basilic. Oh, ça doit être bon, ça, baie sauvage et basilic. Bio de gelée, bio noir de yulé, bio cacao, bio pumpkin. Oh! Earl Grey, Rooibos, Flamingo, Foxy Cranberry, Pumpkin encore. Mais j'adore. Je connais pas c'est qui. Terra des Druidae. C'est dommage. J'ai pas envie d'ouvrir ce coffret tellement il est mignon. Attends. Je te montre même pas. Mais c'est vraiment très joli dans ce petit coffret carton. Avec l'étiquette en craft. Comme ça, on adore. Ah non, mais écoute, emballé comme ceci, donc dans du papier craft. Est-ce que je peux voir sans... Écoute, c'est des petits sachets comme ça, donc à faire infuser effectivement dans une boule à thé ou autre. Ça sent divinement bon, c'est canon. Alors, je suis plus heureux, merci infiniment. Merci. Je vais pouvoir faire brûler des bougies et boire du thé. Je crois que j'en ai avec les masques pour le visage environ, pour 8 vies, tu vois. Mais j'adore. Merci beaucoup, je connaissais pas cette marque, merci beaucoup. Le numéro 7. Ils sont les meilleurs amis du monde sans nuages. Un merveilleux trio constitué du chat qui a du cœur, du colibri dans sa robe couleur cerise et du papillon aux ailes. Un spray pour la maison peut-être, qui sentirait le printemps. Un spray parfumé pour le printemps. Est-ce que c'est ça? La pochette surprise. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est encore du thé, donc d'une autre marque. Je casse tout. C'est encore du thé d'une autre marque. Ok, la marque Lucky Dip, je ne connaissais pas non plus. Oui, donc c'est encore du thé. Eh ben écoute, on est très content. Ça m'embête d'ouvrir, j'ai pas envie d'ouvrir maintenant, j'ai envie de garder tout propre comme ça. Super, bah écoute, il faut venir à la maison boire le thé maintenant. Le numéro 9, qui est encore une fois très bien emballé, avec une nouvelle petite étiquette. Annonce de bons moments en perspective avec ou sans modération. Bah là, c'est un truc pour l'apéro. Là, c'est obligé.
Là, c'est un truc pour l'apéro. Peut-être... ouais, peut-être des... un truc pour faire des cocktails, tu sais. Mais le temps qu'il a mis à emballer tout ça... Je vais pas lui envoyer mon sac, en fait. J'ai honte. Je sais que c'est pas... Il attend pas la réciprocité, mais moi, je suis comme ça. J'ai besoin que ce soit réciproque. Mais alors là, comment te dire que... Oh, mais qu'est-ce donc? Mais c'est trop drôle. C'est une... Attends, que je comprenne comment ça fonctionne. J'adore. Hey, on a soif. Ah, mais t'as trouvé ça où? Je pense que c'est quelque chose qu'il a chiné, donc c'est une cloche, hein, enfin une sonnette. Je kiffe. Ah, j'adore. Du coup, j'ai du mal à comprendre avec le... Annonce de bon moment en perspective. Ok, genre... C'est vrai. Viens boire. On adore. Super mignon. Et il va aller dans la cuisine, c'est sûr. Ok, donc comme un boulet, je n'ai pas ouvert le 8 avant, donc nous passons au 8. C'est n'importe quoi. Non, je suis désolé, j'espère que tu m'en veux pas. Bonne prise en main pour une parfaite... Pardon. Faut que je te lise quand même l'indice. Écoute bien. Bonne prise en main pour une parfaite pénétration pour novice ou expérimenté, tout dépend des centimètres. Alors là, je crois que on nous a perdu. Bah, je sais pas. Bonne prise en main, expérimenté, tout dépend des centimètres. Il y a de la poudre dedans, on dirait. Non, pas du tout. C'est un manche. Un manche... un marteau. Ouais, non, mais sans blague, c'est vraiment un marteau. Ah non, est-ce que c'est pour faire des trous dans la terre? Oui, c'est... Oh, mais c'est trop bien. C'est un... Pour faire les trous dans la terre, pour les plantations. On adore, donc là, c'est gradué 2 cm, 4 cm, 6 cm, 8 cm. C'est vraiment pour faire des trous dans la terre. Je vous vois venir les 1... je sais pas comment s'appelle cet objet. Je l'ai vu dans le magasin où tu l'as acheté. Et nous avons à peu près, peu de choses près, les mêmes idées. À voir s'il y a les mêmes choses qui arrivent. Mais trop bien. Merci. Donc, vu que j'ai ouvert le 9 avant le 8, maintenant nous arrivons sur le 10. Et ça, j'ai déjà eu, je crois, j'ai déjà acheté ou on m'a déjà offert, peut-être même, et teste-toi, une plus petite Léron. En folie. C'est une bougie, me semble-t-il. C'est... Et puis, ça se trouve, c'est pas ça du tout. Mais c'est pas ça du tout. Qu'est-ce donc? Oh, mais c'est beaucoup trop mignon. Ce sont plein de badges. Alors, a priori, c'est la même illustratrice. Lixi Illustration. Donc, Justine Pachot, c'est la même illustratrice que le... Le calendrier, enfin pas le calendrier, mais que le... Oui, que le calendrier. Des fruits et légumes de saison. Et en fait, c'est toute une sélection. Ça, j'aime vraiment beaucoup. C'est trop mignon. De petits badges, en fait, animaliers, tu vois. Donc là, nous avons un raton laveur, un chat, si je vois bien. Là, un espèce de pingouin et un chien. Là, nous avons un tigre et une souris. Donc voilà, un petit lot de badges trop mignons. Pour mettre, évidemment, sur mes vestes en jean, on adore. Merci, merci, merci. Elle est très talentueuse, cette dessinatrice. Je ne connaissais pas. Écoute, si j'arrive, si j'ai le temps, si j'y pense au montage, j'essaierai de te trouver un lien de ces réseaux, peut-être en barre des descriptions. Si tel n'est pas le cas, tu as vu de toute façon de quoi il s'agissait. Nous arrivons au, j'imagine, au 11. C'est marqué « 1 ». Mais je pense que le Z s'est fait la malle, donc j'imagine au 11. Je n'ai pas lu l'indice. Ma quête universelle ne se fait pas sans prendre de risques. Oser enfin donner un sens à sa vie, savoir regarder l'invisible, entendre le bruit du silence, rire, dire en toute objectivité et en pleine conscience. Ça doit être un proverbe. Mais alors, tes indices ne m'aident absolument pas. Je sais pas du tout. J'en ai...
Attends, il m'a carré... Non, mais en fait, ça doit être le carton dans lequel il a mis quelque chose. Tu vois. Ça doit être ça. Donc, nous avons un carton Russell Hobbs. Il va prendre une bouille, alors, quand même. là, je crois qu'on va s'arrêter là, si jamais c'est ça, c'est non. Ça va pas être possible. Non, mais ça doit être un carton pour mettre le truc dedans, tu vois. Alors, effectivement, c'est composé de trois petites... De trois choses qui sont encore une fois extrêmement bien emballées. Je viens d'en ouvrir un et effectivement ça prend tout son sens. Je suis choqué, ils sont trop beaux. Je les avais vus dans... Je sais plus si je les ai vus chez Centracor ou quoi que ce soit. C'est les trois singes, tu sais, donc je ne vois rien, j'entends rien et je ne dis rien. Je te fais grâce de l'ouverture des trois, mais je te les montre tout de suite. Non, mais regarde-moi comme ils sont effectivement magnifiques. Donc je ne vois rien. Je n'entends rien, je ne dis rien. Je suis sans voix, je suis choqué, je les trouve sublimes. Je sais plus où je les avais vus, mais franchement, on peut vraiment s'arrêter là. Voilà, merci, je les surkiffe, ils sont trop beaux. Merci beaucoup. Je suis très mal à l'aise. Voilà, super. Vraiment, non mais on adore. Et on est qu'au 12e. Ça va bien se passer. En Égypte ancienne, je suis la déesse de la naissance. Petite 12. Alors, vu la petite boîte, je pense que c'est peut-être effectivement une petite médaille ou un petit, comme un petit bijou peut-être. Et la déesse de la naissance, Horus, Osiris. Je connais pas vraiment leur nom. Oh, c'est beau. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est une boucle d'oreille grenouille. Alors, je ne sais pas si vraiment elle s'appelle Grenouille, mais effectivement, peut-être que la déesse... c'est vraiment une boucle d'oreille, pas que je... Oui, mais oui, c'est ça. Eh, mais ça peut être hyper original. Faut voir, est-ce que j'oserais porter? Mais oui, il faut oser dans la vie. Mais écoute, tu verras sur Insta. J'aime bien. C'est fun. Une boucle d'oreille. Une boucle d'oreille grenouille. Surprenant. Merci beaucoup. Ensuite, le 13. Potion du sabbat. Mais moi, je comprends pas. Je ne sais pas ce que c'est. Oh. C'est pour faire des boissons. Ok. Un élixir des amoureux. Donc, c'est pour faire du vin sucré et épicé. Cannelle, gingembre, galanga, poivre rose, vanille, muscade, girofle. Et l'apéritif ou dessert, une boisson saugée à base de gingembre, sauge, écorce d'agrumes pour vin rosé ou blanc. Mais ça sent hyper bon. Je connaissais pas du tout. Mais on va faire des incantations et des potions magiques. Et si je préfère te dire une chose, attention, je fais des potions, les gars. On rigole plus avec ça maintenant. Non, mais top, je connaissais pas du tout. Bah écoute. Très jolie découverte, sympathique, merci beaucoup. Le 14, nous retrouvons encore une très jolie petite boîte avec le petit nœud, le petit mot. Qu'est-ce qu'il nous dit le 14? Rendez-vous avec Lily, Lolo et Riri, Lolo et Lulu au jardin de Casablanca. Ah, j'ai pas la ref. J'ai pas la ref. Peut-être, je pense que c'est peut-être de l'encens ou quelque chose comme ça. Non. C'est dans un petit pochon, une petite serviette. Toute de fleurs vêtues. C'est du thé, bah oui. Ah, trop bien. J'ai pas compris Lily, Loulou, Lulu. Voilà, mais c'est du thé vert, jardin de Casablanca. Thé vert, jardin de Casablanca en forme de petit lapin. Les sachets sont en forme de petit lapin. Ah, mais peut-être que c'est les lapins, Lily. J'ai envie de dire Rififi et Loulou, mais non, c'est pas ça. Mais bah écoute, du thé, trop bien. Bah, voilà, à un moment donné, on adore. Ensuite, on part sur le 15, qui est dans une petite pochette toute tropicale. Je trouve ça très joli, encore une fois. De symbolique pluriel, notre environnement est aquatique et nous serons ravis de voir notre progression dans tes stories. Oula, ça fait peur. Parce que si ça marche pas, je vais avoir l'air d'une quiche. De symbolique pluriel, notre environnement est aquatique et nous serons ravis de voir notre progression. C'est un truc à planter dans de l'eau. Enfin, à immerger dans de l'eau. Ah mais non, mais si ça marche pas, après vous allez trouver que je suis nulle. Je vais me ridiculiser.
J'ai pas trop la main verte, on dirait comme ça, mais non, non, il y a beaucoup de faux quand même à la maison. Et les avocats que tu ne vois pas, ils s'arrêtent pas de grandir, mais ils font que des feuilles. Et je les ai piqués, mais ça marche pas. Mais je pense que c'est un truc à mettre dans l'eau pour que ça grossisse du coup. Mais alors, je ne sais pas. Ce sont des graines. Attends, je te montre. Je vais lui demander. Ce sont des petites graines comme ça. Des graines, en fait, comme ça, mais je peux te le montrer difficilement. Mais je lui poserai la question, mais à mon avis, c'est à mettre dans l'eau. Je vais lui demander tout à l'heure, Aurélien, on va se parler. Ensuite, le 16, blancheur de la jungle. Blancheur de la jungle. Je sais pas. Il n'y a plus rien qui sort de ma bouche. Autant en profiter parce que je parle beaucoup trop des fois. C'est un dessous de plat slash coupelle slash vide poche. Magnifique. Regarde-moi cette beauté. Comme c'est juste sublimissime. Oh, c'est trop beau. J'aime trop. Merci beaucoup. J'ai trop de choses. Le numéro 17. Alors, Anna me dit un soupçon de Ouga. Clara me le confirma. Je leur souris et leur confia que de toute la gamme, celle-ci est ma préférée. Bah, c'est un truc pour faire de la méditation, du coup, parce que le Ouga, tout ça, tu vois, c'est genre l'art... Non, mais non, le Ouga, c'est danois. Qu'est-ce que c'est? Bon, en tout cas, c'est chez Sostrengren, parce que c'est Anna et Clara, Carla. Anna, quoi, les cousines. Ah, mais pour le coup, je pense que Aurélien, tu as effectivement un appartement rempli d'idées et de boîtes et de... Ton chez-toi doit faire 8 millions de mètres carrés, du coup, pour avoir toutes ces idées et ces petites choses pour emballer. Enfin, c'est fou. C'est dingue. Je pense que c'est des bougies. Je me trompe peut-être, mais je pense que c'est des bougies. Efficaces, rapides et perspicaces sans mettre non plus trop autour. Parce que même si je suis seule toute cette semaine, à un moment donné, il va bien falloir faire le ménage avant que le mari rentre, tu vois. Donc on va essayer de passer par pied, mais je pense que c'est des bougies. Ouais, écoute, ça a l'air d'être un pot en verre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est extrêmement bien emballé et que là, s'il y a de la casse, clairement, je suis fort malchanceux. Ceci dit, la malchance, elle ne s'est pas pointée aujourd'hui. Hein. Comment je suis gâtée, c'est impressionnant. J'ai même pas de mots. Oui, c'est ça. Ce sont des bougies. Alors, je ne connais pas les bougies de la marque Sostrengren. Je ne les ai jamais achetées. Oh, ça sent hyper bon. Ça sent hyper bon. Je saurais dire... l'odeur, mais c'est le Haven. Alors, est-ce que ça veut dire Haven, du coup, en danois ou en néerlandais? Je ne sais pas. On va voir la deuxième. Donc, ce sont bien deux petites bougies. Donc, les deux sont identiques, mais l'odeur est vraiment... je saurais la décrire, mais hyper relaxant et très envoûtant quand même. Non, franchement, ça sent le propre. Enfin, c'est pas marqué à quoi ça sent. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Très jolie découverte. On continue avec le numéro 18, mon cadeau, mon 18e cadeau, mon Dieu. Souvenir personnel d'un marché au plus d'Amsterdam. Oh non, faut pas faire ça. Elles ont longtemps fait partie de ma déco. Aujourd'hui, elles sont à toi et je sais que tu leur trouveras une place dans ton appartement. Non, mais ça, c'est pas... C'est trop... Ah non, mais c'est... C'est hyper touchant en fait, j'ai même plus de mots, je suis hyper mal à l'aise de tourner cette vidéo en vrai. C'est trop, je fais rien pour tout, pour mériter tout. Genre, bon voilà, t'as compris, j'arrive même plus à parler et à dire les mots correctement. Non mais non.
c'est magnifique. Ce sont deux illustrations. Alors, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. Est-ce que ça a une connotation religieuse? J'imagine aussi un petit peu au niveau bouddhisme. Mais tu as un Bouddha et un moine bouddhiste, j'imagine. Donc, c'est je ne sais pas quoi dire. Donc, c'est à poser comme ceci. Je suis sans voix, en fait. Ouais. Ah, mais c'est sympa, là. On est bien niveau émotion. C'est trop beau. C'est extrêmement touchant. De savoir en plus que c'était à toi, enfin... Voilà. Ouais, non, je ne sais pas où est passé le 19. Je le retrouverai sûrement après. Ou alors j'ai mal vu et je l'ai déjà ouvert. Ce qui est possible aussi, hein, avec moi. En tout cas, le 20... je suis pas bien, je suis un peu perturbé. Bon. New Post Dixit Mister Saucisse. Hein? New Post Dixit Mister Saucisse. Je comprends pas. Ah, l'antiquel! Bah ouais, mais évidemment. Mister Saucisse, les chiens saucisses. C'est donc un... Oh, mais j'adore. Regardez voir, c'est des post-it, en fait, avec effectivement des chats, des chiens. En fait, c'est un carnet avec le teckel qui se ferme comme ça. C'est trop, trop, trop mignon. J'adore l'idée. Merci beaucoup. Je vais l'amener au boulot, même dans mon bureau, quoi. Merci beaucoup, c'est hyper chou. J'adore. Le 21, on se retrouve à nouveau avec une boîte. Donc, je m'empresse d'enlever le ruban, de lire l'indice. Souvent, je m'oublie et coule un peu, mais j'ai ouvert bien des passages dans le noir. Souvent, je m'oublie et coule un peu, mais j'ai ouvert bien des passages dans le noir. Oh, ça sent très bon. Ça sent très, très bon. Je dirais une lumière, mais du coup, je viens de voir, c'est un oracle. Alors, j'imagine, j'ai pas envie de te les casser, mais ce sont des espèces de fondants parfumés en forme de lapin qui sont extrêmement bons. Je pense que c'est purifiant parce que ça vient du site Oracle... Attends, il y a la carte qui j'arrive pas. Ça vient du site atelieroracle.com. Donc, pareil sur Instagram, atelieroracle.com. Là, nous avons deux chandelles rituelles printemps qui sont fabriqués artisanalement dans les Vosges à partir de cire de soja et de fleurs séchées. Donc ce sont deux chandelles comme ceci. Les fondants là sentent divinement bon. Mais moi je vais commencer là, pas la sorcellerie, c'est pas ça que je veux dire. Mais je vais commencer à l'ésotérisme en fait. Hein. Là je vais, on est bon là. J'adore. C'est une très jolie découverte. Merci beaucoup de me faire partager un petit peu de ton univers justement. Et c'est top, merci beaucoup. Je suis novice mais je vais... Voilà, c'est qui trouve pas ses mots. Numéro 22. Ouais, quand on est mal à l'aise, on y va. Hein. Envolée printanière Cedex. Ah, j'ai peur. D'accord. C'est très, très, très joli. C'est donc un seau, en fait, pour effectivement... écrire les lettres avec le cachet de cire. Voilà, donc pour cacheter les lettres, donc tu as la petite cire avec le seau. Voilà, bien merci. Je rigole, mais on ne peut pas dire pourquoi. Quoique si, parce que je vais lui dire de ne pas regarder cette vidéo avant qu'il ait ouvert mon swap. C'est un des cadeaux que je lui ai envoyé aussi. Donc comme quoi, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Le 23, donc c'est un carton de forme caréidale. Potion, décoction, filtre ou encore infusion. Je prends mon rôle avec sérieux ou de manière fantaisie. Je suis l'accessoire indispensable en toute saison. Bah, c'est quelque chose pour faire du thé. Du coup, c'est un meuble, j'imagine. Je pense que c'est un meuble. C'est à nouveau... Enfin, si j'ai à nouveau raison, non, parce que j'ai pas eu beaucoup de raison pour l'instant dans ce swap. Mais les mugs, j'adore ça. Je surkiffe les mugs. Printemps, été. Un très joli mug printanier avec une couronne de fleurs. C'est top, bah, super, les mugs c'est la vie, merci beaucoup. Nous arrivons au 24, 24, 24, 24, 24, 24. Un cadeau réalisé par Decorin, oh c'est lui qui l'a fait, donc une pièce unique réalisée avec de la récup en pensant tout particulièrement à toi, made in love.
C'est quelque chose qu'il a fabriqué lui-même. Encore une fois, trop trop bien. Je me réjouis de voir ce que c'est. Voyons voir. Oui, parce que Aurélien, comme je te disais en début de vidéo, fait beaucoup de do it yourself et de décoration lui-même. Il achète des choses, il récupère des choses à droite et à gauche et il en fait vraiment par rapport à son propre univers avec ses envies et son inspiration. Et là, qu'est-ce que c'est donc? Je fais attention quand même de rien casser. C'est un petit socle comme ça, comme c'est trop mignon pour poser effectivement une bougie ou quoi. J'adore! J'aime beaucoup, c'est top. En bois du coup patiné effectivement, un peu foncé. J'aime beaucoup, ça va être très très joli tu vois pour poser effectivement une petite bougie ou même je peux m'en servir à table quand on fait des dîners etc. Pour poser je sais pas les couverts ou quoi que ce soit. Merci beaucoup, je suis très très touchée, en plus c'est toi qui l'as fait. Donc merci infiniment. Le numéro 25. Volute délicate et parfumée. Je pense que c'est de l'encens pour le packaging. C'est pas des bougies, je pense pas. Je pense que c'est de l'encens. Et en plus, je me suis remis à l'encens il y a pas longtemps. Comme quoi, c'est vraiment, vraiment. Oh non, mais. Waouh! Non, mais c'est beaucoup trop. Ça suffit, faut s'arrêter, monsieur Aurélien. Ah, ça sent trop bon. On est vraiment sur l'encens. L'encens, si je peux dire, traditionnel. Oui, made in India déjà. Alors, est-ce qu'on a les senteurs quelque part? Donc, c'est l'encens de la marque. De la marque Satya Super Hits, j'imagine. Bref, c'est 4 boîtes de sticks d'encens, effectivement. Je suis super content. J'adore l'encens et je m'y suis mis depuis pas très très longtemps. Donc, oh, ça sent trop bon. Ça me rappelle mon voyage de noces à Bali, cette histoire. J'adore. Merci. Le numéro 26, nous avons un objet tubal. Afin de mettre un peu plus de couleur dans ta vie. Des bombes de bain. Est-ce que c'est des bombes de bain? Est-ce que ce serait des bombes de bain? Est-ce que je le redirai une fois? Non. Non, mais je pense pas que ce soit ça. Je pense pas. En tout cas, encore une fois, c'est très très bien emballé. Qu'est-ce que c'est? Un petit tube comme ça? Ah, mais c'est des feutres. Mais trop bien. Des feutres, donc chez Sostrengren, ce sont des feutres pastels, un petit peu. Tu verras mal, mais tu vois du rose, du vert, du doré, de l'argenté, etc. Top, on aime beaucoup dans le petit étui, comme ça, en plus, c'est hyper sympa. Bah écoute, la couleur, on adore, bah c'est noté, avec grand plaisir. Ensuite, le numéro 27, qui est très volumineux, encore une fois. Quand je l'ai montré... Quand je l'ai montré à Britney, elle m'a répondu « Oups, I did it again » avant d'ajouter « J'adore les pickerettes et les pellettes, c'est so glam. Et moi, je m'ouvre que pour t'accompagner le printemps. Et moi, je trouve que pour accompagner le printemps, c'est idéal. » Britney, elle a dit qu'elle aimait bien, qu'elle adorait. « Oups, I did it again. » Qu'est-ce que ça peut être? C'est un rasoir? Non, c'était de mauvais goût. Ça suffit. Leave Britney alone. Alors, pour tout te dire, j'ai une semaine, enfin, j'ai des semaines un petit peu où je suis très très fatiguée en ce moment. Du coup, c'est vrai que j'ai pas tout mon cérébral pour réfléchir correctement à la chose. Mais, je trouve que de base, à la base, d'habitude, je me défends pas trop mal dans les devinettes quand même. Là, clairement, je suis très très nulle dans celui-là. Non, mais alors là. C'est un gobelet à pâquerettes et à paillettes. Est-ce qu'on n'adore pas? Franchement, hop. J'adore. Je suis archi fan. Bah, tu sais que j'adore les gobelets. Depuis tout à l'heure, je suis assoiffée. Oui. Écoute, au bord, on en est, je m'accorde le droit de boire un petit peu. Un gobelet pâquerettes paillettes, deux mélanges chai latte. Je n'ai jamais goûté de chai latte. Excuse me. Il faudra que je m'y mette. Mais là, pumpkin spice. Autant te dire que j'adore. Et un mars, c'est ça repart. J'adore. Merci beaucoup. Je vais regarder comment ça se fonctionne, cette histoire. Et un gobelet trop mignon que j'adore. Merci. Ensuite, nous arrivons au 28, qui est somme toute assez lourd, je trouve. On m'a délicatement et lentement malaxé afin d'obtenir mon jus. Tu savoureras tous les arômes qu'on m'en dise assuré. Cette vidéo va à nouveau être... Ma foi,
condamné pour, pour esprit mal placé. Bah c'est un jus de fruits. On va mettre quelque chose à base de... Une boisson à base de fruits. Alors, pas du tout. C'est un sirop au cacao, les gars. Un sirop au cacao des cousines Sostringren. J'aime beaucoup. Dans un café ou quoi, faudrait essayer. Je l'avais jamais vu en plus, donc c'est top. Et ah, j'ai quand même envie. Oui, mais si je l'ouvre, il faut le consommer vite ou pas? Alors si c'est bon, ce sera protégé de la lumière du soleil. Oh, mais ça sent trop bon. Ok. Bon, on va mettre ça loin de moi. Merci beaucoup. Ensuite, le numéro 29 qui m'intrigue beaucoup parce qu'il fait du bruit. Alors, est-ce que c'est cassé ou est-ce que c'est genre quelque chose avec des pièces à l'intérieur? Le nécessaire du pape Terry. Mais moi, j'ai pas... Mais du coup, j'ai aucune culture générale là. J'avais l'impression d'être intelligent avant de commencer ce soir. Je trouve rien. Je n'ai pas les... Du papeterie, papeterie. T'es un petit coquin, toi. Tu me fais un peu douter de mes capacités intellectuelles. Oh non, mais c'est bon. Je suis un enfant. Je suis un enfant. Regarde, c'est un nécessaire de papeterie. Papeterie. Avec effectivement des trombones, des petits aimants, du scotch coloré, je sais plus comment on appelle ça, masking tape, washing tape, je sais pas, je sais plus, un taille crayon, des petits posters, ah non mais c'est beaucoup trop mignon, on avait dit, inspiration printemps, là on y est, c'est trop 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 mignon, j'aime beaucoup, merci beaucoup, ah non mais le bactérie m'a tué, y en a c'est Omar, référence à ceux qui sont nés dans les années bisextiles, merci beaucoup pour bactérie. On continue avec le 30. Il y a deux 30, donc 30. 30. Pique, pique, compose, dispose et nous serons là pour un moment en ta compagnie, embaumant, colorant, mais lui restera. Pique, pique, compose, dispose et nous serons là pour un... Pique, pique, compose, dispose. Est-ce que tu vois que le soleil s'est couché derrière moi? Nous avons commencé cette vidéo à peu près 18h. Il est 20h04. Et c'est pas fini. J'espère que pour toi c'est tout aussi. Alors que c'est pas aussi déstabilisant et gênant que c'est pour moi, mais que ça reste somme toute un. Tu voyais peut-être la poubelle tout à l'heure, j'ai mis ce bleu, ça c'était dégueulasse. J'espère que ça reste somme toute un moment agréable pour toi. En tout cas, moi je suis très 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 mal à l'aise, je suis très touchée. Je suis très 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 voilà, j'ai pas d'autres mots et donc si t'as pas d'autres mots tais-toi, merci et continue à essayer d'ouvrir ce cadeau qui fait de la misère. Non mais c'est vraiment très très bien emballé effectivement là, pas de casse. C'était pique et pique écolégramme, non c'était pas ça, c'était quoi déjà, attends. Pique, pique, compose, dispose et nous serons là un moment en ta compagnie, embaumant, colorant, mais lui restera. Écris en commentaire si toi tu as trouvé. A priori, ça vient à nouveau des cuisines Sostringren. Oh, j'aime beaucoup l'objet. C'est très blanc. J'aime beaucoup l'objet. C'est un... qui ne s'ouvre pas. Je trouve ça très très beau. Non mais en vrai, je trouve ça très très beau. Mais alors, mais je suis vraiment stupide de comment ça se passe. C'est pour mettre les bâtons d'encens peut-être. Mais comme ça ne s'ouvre pas, tu saupoudres. Comment ça marche? Je vais relire le truc. Pique, pique, compose, dispose et nous serons là un moment en ta compagnie, embaumant, colorant, mais lui restera. Je comprends pas. Non mais arrête, c'est honteux là, je comprends pas. Non mais vraiment, l'objet est très très joli. Ça fait un peu cabinet de curiosité. Genre moi je vois ça, je vois un corail, tu sais, genre une éponge, une anémone, un truc, tu vois, marin. Mais c'est pour mettre de l'encens, mais du coup l'encens après. Écoute, on va pas passer 15 jours là-dessus.
Dis-moi toi, c'est un commentaire. C'est, tu sais, quel usage, n'est-ce pas? Mais l'objet, décorativement parlant, est très joli. J'aime beaucoup. Le deuxième 30, du coup, mystère dans un très joli petit pochon que tu imagines bien que je vais garder. Évidemment, comme toutes les boîtes là, évidemment, je vais les garder. À l'intérieur, nous avons une boîte. J'ai pas lu l'indice. Il n'y a pas d'indice. Ah bah, il n'y a pas d'indice. Ah bah. Ah, à moins que ça aille ensemble. C'était 2,30 qui aillent ensemble. Donc le pic-pic, et ça, je vais comprendre qu'est-ce que c'est. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Si c'est ça, je vais passer vraiment pour une andouille, hein. Non, c'est pas ça. Ok. Alors, on. Hein, bon. Donc, il n'y a pas d'indice, mais c'est trop bien. Je ne connais pas cette marque, dis donc. Nous avons un gel de douche d'une marque, je pense, Stockholm, donc suédoise. J'espère que je ne me trompe pas. Bref, qui vient de Stockholm. Berry Boost, donc, qui sort. Extrêmement bon, j'imagine. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est distribué par Schwarzkopf. Je connaissais pas du tout. Ah ouais, ça. Ah, ça. C'est une odeur nordique. Ça sent genre les baies fraîches, tu vois, baies givrées. Là, j'ai vu verveine agrume. Verveine agrume, les gars. Tu sais que on m'a perdu. C'est une mousse de douche. J'adore. Je ne connais pas la marque non plus. Jeanne en Provence. Extrait de verveine et les agrumes. Là, c'est voilà. Et avant, oh, la marque avant, j'en entendais beaucoup parler à l'époque sur les réseaux. Je savais pas que ça existait encore. Allô à mon oeil. Oh, c'est une brume au mon oeil et à la noix de coco. C'est une tuerie. Oh, ça sent trop bon. Non, mais alors là, voilà. Arrêtons tout. On a. Voilà, on est bon. Une brume donc, mon oeil, noix de coco. Moi, je ne sais que dire. Là, voilà. Oui, je suis très en focus parce que je range les choses en dessous, tu vois, au fur et à mesure. Merci. On continue avec le numéro 31. Le 31, qu'est-ce qu'il nous est dit? Nous avons tous un lapin dans notre vie. Qu'il soit rassurant, sautillant, réconfortant, grand ou petit. Mais as-tu déjà entendu un lapin rugir? Après cela, ne sois pas surpris. Un lapin qui rugit. Un lapin tigre. Quelque chose qui se transforme dans un lapin tigre. Un lapin lion. C'est magnifique. Je pense que c'est une bougie. Ah non, confiture parisienne. Enfin, si, ça peut être une bougie aussi, mais. Mon gros lapin, qu'est-ce donc? Confiture parisienne. Oh là là! Mais c'est un produit de luxe. Est-ce que tu connaissais? Je ne connaissais pas du tout. Donc c'est de la confiture artisanale de Paris, du coup. Mon gros lapin, chocolat au lait, caramel et amandes torréfiées. Mais déjà, regarde-moi la beauté du packaging. Confectionné à Paris avec des ingrédients naturels sans conservateur. Ah non, mais là, c'est une pâte à tartiner de luxe, hein, quand même. Je te la remonte vraiment, juste pour le plaisir. Regarde-moi déjà la beauté du packaging qui se présente vraiment. C'est pour ça au début, je pensais que c'était une bougie parce que ça se présente vraiment dans un coffret comme ceci. Tu vois vraiment juste sublime. Franchement, je suis choqué par le packaging rien que le packaging de la confiture est sublime. Écoute, j'ai hâte. De la goûter en plus, du coup, là maintenant j'ai faim. Mais non, ce soir c'est une soupe de petits pois et de courgettes. Pas de chocolat ce soir. Je connaissais pas, une très très jolie découverte. Là, franchement, c'est un peu la classe de la confiture quand même. On est d'accord. Le numéro 32. Comme ça, je dirais que c'est un livre. Voyons voir. À l'origine, nous formions un quator, puis Birchel est arrivé et grâce à lui, nous sommes devenus bien plus épais. Birchel, je sais pas qui c'est. Voilà, donc le retour de la non-culture générale, voilà. Ce sont des carnets, en fait. Oh, trop trop beau. J'ai pas compris l'indice.
Tu vois que je suis dubitatif, je cherche encore. Ils sont trop beaux. Je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un petit fleuri vert. Un petit abeille. Mais ça fait le focus sur moi. Bref, un petit fleuri comme ça, un petit abeille comme ça et un rayé. Voilà, un rayé vert comme ça. Écoute, j'adore les carnets. Donc, moi, c'était sûr. Enfin, ouh, ça fait tout noir. Je disais, j'adore les carnets. Donc, franchement, et puis ils sont très beaux en plus. Donc, voilà, je vais les mettre dans ma pile de carnets. Et on adore les carnets. Les carnets, c'est la vie. Merci beaucoup. Le numéro 33. Dites 33 à 806 qui connaît ça. Je peux être divin, moelleux, sensuel, profond, noir, somptueux, gratifiant, puissant, dense, crémeux, séducteur, suggestif, riche, excessif, soyeux, doux, luxueux, céleste. Peut être beaucoup de choses, cette histoire. Qu'est-ce que ça peut être? C'est comme des tablettes. Oui, c'est ça, c'est du chocolat. Ah, voilà, c'est... Du chocolat à la tarte aux pommes. J'ai faim. Du chocolat banoffee, genre à la banane et au caramel. Du chocolat blanc à la crème glacée, genre au vermicelle coloré. Oh, et du chocolat blanc au chamallow et aux noisettes. Non, je vais pas les manger tout de suite. Sois raisonnable, mais c'est trop bien. Qui viennent de chez Emma aussi. J'en avais déjà goûté, il me semble, des chocolats de chez Emma. J'avais goûté les biscuits que tu m'avais offerts la dernière fois qui étaient très, 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 très bons. Bah écoute, on va. Hein, voilà, merci. On arrive gentiment à la fin de cette vidéo. Je ne te cache pas que je suis extrêmement touchée, extrêmement émue et très fatiguée parce que ça fait bientôt 1 heure et demie, donc quasiment, bah non, même 2 heures maintenant que je te parle. En espérant qu'il te donne l'envie de t'y mettre l'année prochaine. En espérant qu'il te donne l'envie de t'y mettre l'année prochaine. C'est quelque chose donc que je ne fais pas, qu'il me donne envie de m'y mettre l'année prochaine. Je ne décore pas pour Pâques la maison. Je réfléchis. Je ne décore pas pour Pâques et Aurélien me disait, mais comment ça se fait? Tu décores pas pour Pâques? Donc peut-être que c'est effectivement des choses pour décorer la maison à Pâques. Je dirais ça. Si c'est ça, je mérite un bon point quand même. Hein. Ce sera peut-être la seule chose que j'ai trouvée. Mais moi, je reste là-dessus. Je reste là-dessus. Alors oui, c'est ça. Ils sont trop, trop mignons. Regarde, c'est une petite sculpture de 3 lapins en bois. En bois beige, un peu clair, etc. Avec les petits pompons pour les queues. J'aime beaucoup. Alors, je ne pense pas décorer vraiment pour Pâques avec tout ce qui est vraiment les œufs, etc. Mais faire une ambiance un petit peu plus printanière, effectivement, et animalière. Mais oui, je te promets. Merci beaucoup, c'est trop, trop, trop mignon. Ils sont très, très mignons. J'aime vraiment beaucoup. Trop mignon. Nous avons le numéro 35 qui, lui, est dans un petit sachet. C'est en danois. En Nogen Raupche van de Erlich Amsterdamse Tea. Alors, j'ai le regret de te dire que non seulement après avoir très mal lu, j'imagine, je ne sais même pas, j'imagine, c'est que j'ai très mal lu le comment ça s'appelle? Le néerlandais, je ne sais pas du tout ce qui peut se cacher dedans, mais j'imagine que c'est un rapport avec Amsterdam. Oui, non, il y en a là-dedans quand même. Il y en a là-dedans. Ah, oh, trop bien! Oh là! Trop bien, j'ai plané, les gars! Mais faut pas me faire ça! Tu sais que je suis déjà pas tout là dans ma tête. Mais chut! C'est un thé. C'est un thé qui vient de la coupe des fées.com. C'est un thé noir à la pomme et à la cannelle avec... Avec des feuilles de quelque... avec des fleurs et des feuilles de quelque chose. Voilà. Je sais pas si on peut le dire sur YouTube ou quoi, mais écoute, voilà, ce sont. Voilà, je ne prononcerai pas le mot parce que je ne sais pas. Ah non, mais ça va être. Ça me fait peur.
Non, mais j'ai déjà fait dans ma jeunesse, hein, quand même, à un moment donné. Bah, genre, quand même, comme si c'était normal, mais. J'ai sans voix. C'est. Ouais. Écoute, plus moi qui ai du mal à dormir, pourquoi pas. C'est trop drôle, merci beaucoup. Le numéro 36, après toutes ces péripéties. Très pratique pour ne pas dire indispensable à l'accordéonisme. Mais voilà, tu ne l'es pas et en plus tu n'as pas d'accordéon. Cela restera un accessoire. Bah, qui te dit que je n'ai pas d'accordéon? Peut-être que j'en ai un. Je ne sais pas qu'est-ce que j'en ferai, mais peut-être que j'en ai un. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je donne ma langue au chat, au poisson chat, à tout ce que tu veux. Ce sont donc des bretelles. Et oui, bah moi, tu sais que rien ne me fait peur au niveau accessoires vestimentaires. Est-ce qu'on est toujours un peu coiffé bizarrement? Oui, on s'en fiche. Oui, je porte des bretelles, bien sûr, on adore. Trop bien, bah, je ferai des petits looks sur Insta, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. C'est très tard pour te le dire, mais si tu ne me suis pas sur Instagram, sur mon Instagram, juste là, les addictions by N, et tu verras porter les bretelles. Merci beaucoup. Et oui, je comprends l'accordéoniste, tout ça, tout ça. Et non, je n'ai donc pas d'accordéon, ni d'harmonica. Le numéro 37. Il a été le premier à avoir eu le courage de témoigner par rapport, en rapport direct avec l'un de tes cadeaux de notre soif de cet hiver. Non, oh. N'en déplaise à un certain Éric Zemmour. Voilà. Ça a un rapport avec la déportation des homosexuels, je suis sûr. J'ai plus de batterie, je la change tout de suite et je reviens. Je disais donc avant d'être coupé par ma batterie. Cet hiver, je ne sais pas si tu te souviens, du coup dans mon swap, là j'ai pris un ton beaucoup plus grave. Aurélien m'avait offert un morceau de pierre de granit rose, ou de marbre rose, ou en tout cas c'était une pierre rose. Je crois que c'était granit. Il me semble, ou marbre, je sais plus. Enfin, c'est dans mon bureau, je l'ai mis sous cloche avec une clé, enfin avec une autre clé qui est très symbolique aussi pour moi. Et donc ce morceau de pierre provient du mémorial en fait qui est à Amsterdam, donc des mémorials par rapport, je suis très très ému, pardon, aux homosexuels qui ont été déportés et tués dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, avec le peuple juif, les handicapés. Voilà, tous ceux qui ne correspondaient pas au standard d'un fanatique et d'un fou. Bref, et là je pense du coup que c'est un témoignage, un livre témoignage peut-être effectivement du premier homme homosexuel qui a osé après la guerre dire oui, il y avait eu ça aussi. Je suis extrêmement ému. Oh, c'est ça, je te jure, j'ai pleuré. Oh, j'aime pas le truc comme ça. Ah, j'ai mes mains froides. Ça me touche énormément. Moi, Pierre Cille, déporté homosexuel. Voilà. Merci beaucoup. Je suis très 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 touchée. Je vais attendre d'être dans une comment dans un mood un peu meilleur qu'actuellement pour le lire, mais j'ai pas d'autres mots. Merci infiniment, vraiment. C'est-à-dire qu'après ça, on va passer à un qui n'avait pas de numéro, et comme potentiellement je n'ai pas vu 38, je pense que c'est celui-là. Juste l'essentiel pour les balades printanières du mardi. Parce que le mardi, je suis en congé. Donc demain, je suis en congé. D'ailleurs, heureusement, parce que vu l'heure que maintenant il est 20h30, j'ai un zoom dans un quart d'heure et je n'ai pas encore mangé. Et il faut que je range tout ça et que je me remette aussi accessoirement de mes émotions. Heureusement que je suis en congé demain. Jay-Z. Donc, pour mes balades printanières du mardi. Je sais pas. Je suis dubitatif. Ah, peut-être des gants pour ramasser des fleurs. Bon, j'ai un peu vu. Mais est-ce que ce serait des gants? Non, pas du tout.
C'est un... Comment ça s'appelle? Oui, un... Oh, flûte! Un sac pour ranger les téléphones. Hop. Tu vois, ton téléphone comme ça, et tu portes ça autour du cou. Bah ouais, trop bien comme idée. Comme ça, on a les mains libres pour la cigarette électronique ou pour prendre des photos. Ah bah non, avec le téléphone. Mais c'est trop mignon. En tout cas, il est super joli. Il est beige. Je sais pas si tu verras bien avec cette lumière et ce focus fantastique. Beige avec des petites pâquerettes. Très, 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 très jolies. Merci. Je suis encore pas bien là du livre. Le 39, le numéro 39 qui est tout fin. Le bout d'amour. Alors c'est mou. Le bout d'amour, qu'est-ce que ça pourrait être? Bah, j'adore les Bouddhas. Je vais regarder pour mettre sous cadre, je pense. C'est un... J'adore l'odeur du tissu. Non mais je suis un peu zinzin, moi j'adore l'odeur du papier et du tissu, etc. C'est une très 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 jolie illustration sur un tissu noir de Bouddha, le bout d'amour, ouais, d'accord. Merci beaucoup. J'adore Bouddha, l'encens. Oui, bah, il y en a beaucoup des Bouddhas dans ma décoration d'ailleurs. Je pense que c'est pour ça qu'effectivement il y a eu beaucoup de ces choses-là. Je suis extrêmement, extrêmement, extrêmement touchée. Je regarde devant moi. Écoute, a priori, j'ai rien oublié sauf un dernier cadeau qui est destiné du coup à mon anniversaire parce que bah, mon anniversaire était en avril et nous étions censés effectivement recevoir et faire ce soir plus tôt. Comme je te dis, moi, j'ai pas encore envoyé ma partie. Hein. Elle partira demain. Donc, je prends le dernier gros cadeau de ce swap. Je suis extrêmement, comme je te disais, comme je t'ai dit tout au long de cette vidéo, j'ai l'air un peu fatigué, mais oui, je suis fatigué. Mais je suis extrêmement ému. Déjà, on a deux thés aux épices, bah, évidemment, j'adore. Je vais les enlever pour pas qu'ils partent avec l'emballage cadeau. Voilà. Je suis extrêmement touché par cet échange, par ce swap, par ces rencontres qui sont faites, que ce soit effectivement avec Aurélien, avec Alexandre, mais avec tous en commentaire, je ne pourrais pas vous citer, mais je vais pas tous vous citer, mais merci vraiment, vraiment, vraiment juste de faire partie de mon aventure. Ça me fait beaucoup de bien, même si en ce moment, c'était pas, enfin, ça n'est pas la grande forme pour plein de raisons. Je suis personne en fait, clairement je suis absolument personne pour mériter ça et pour mériter votre présence, donc merci de me suivre dans cette aventure qui est quand même très très jolie, merci infiniment, je suis extrêmement touché, vraiment. D'ailleurs je fuis le regard un peu, j'ose pas trop vous regarder comme il faut, tu vois. Nous avons donc un très joli paquet d'anniversaire, donc qui se présente comme ceci, Boudis Bar. Est-ce que c'est un truc de barbier peut-être? Yeah. Alors déjà à l'intérieur, je ne sais pas d'où ça vient. Nous avons des chocolats. Des chocolats, des chocolats. C'est marqué tout en allemand. Ah, il ne peut pas parler allemand. Nous avons des chocolats. Attends, il y a du... De la neige. Donc des chocolats, des petits chocolats en forme d'ange, enfin des chocolats angéliques. Regarde-moi cette beauté. Déjà rien que en décoration, c'est trop trop beau. Et en fait c'est un mug, donc là je pense que c'est l'ouverture pour mettre une paille. Voilà, donc tu bois ton cocktail, etc. Je peux aussi m'en servir du coup comme bougeoir. J'aime énormément, c'est très 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 joli. J'ai pas de mots du tout, encore une fois, comme depuis le début de cette vidéo. De toute façon, c'est la vidéo sans mots. Je vais reprendre mes esprits un petit peu. C'est magnifique, j'aime vraiment beaucoup les pineapples. Je reprends mes esprits deux petites secondes et je te reprends tout de suite pour la conclusion. Voilà. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à m'écrire tout ça en commentaire, tout ce que tu en as pensé, etc. Moi, comme je te l'ai dit très, 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 très souvent pendant cette longue vidéo, très longue, je pense certainement la plus longue de ma chaîne pour l'instant,
Merci énormément à toi, Aurélien. Voilà, je vais de toute façon m'atteler à t'écrire un message et à te laisser des vocaux et tout ça. Je suis extrêmement touché. J'espère vraiment sincèrement que mon côté sera à la hauteur, même si non, quand je vois tout ça, non. Mais tout a été fait avec le cœur et je ressens vraiment énormément ça. Et ça me touche beaucoup, 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 beaucoup. Je vais pas faire plus long, on se retrouve la semaine prochaine. Certainement pour un haul, parce que oui, j'ai craquance, mais comme je t'ai dit la dernière fois, ça fait depuis le mois de janvier que je n'avais plus commandé sur Chine, donc j'attends ma commande là, donc peut-être ça sera un haul Chine, ou sinon ça sera autre chose. En tout cas, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. On n'oublie pas de commenter, de liker et de s'abonner encore maintenant plus que jamais parce que c'est gratuit, ça me fait plaisir. Au-delà de me faire plaisir, qui ne voudrait pas me faire plaisir, mais je crois que je vais plus le dire parce que là, je suis bon, j'ai plus de voix, plus de ressources. C'est très, très, très important pour moi et ça me touche beaucoup et j'en ai besoin, donc ça me soutient. On y va, c'est gratuit, on y va, on s'abonne, on like, tout ça. En barre d'infos, tu trouves plein de choses très intéressantes. Voilà, je sais plus quoi te dire. Je crois que merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, tout simplement. Merci. Et donc, remercie à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très très vite pour de nouvelles addictions. Ciao.